Bon matin, on est le 2 octobre et il fait gris et il fait soleil dans mon cœur parce que je viens de lire tous vos beaux commentaires sur ma vidéo d'hier. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Mais je suis vraiment bonne humeur ce matin, là. J'ai pris un bon bain puis je me prépare à aller rejoindre le PL pour aller bruncher. Puis lui, il va aux pommes après, c'est pas full beau, là. Il m'a offert d'aller avec lui, je sais pas si je vais y aller. J'entends un chat qui joue avec des choses qu'elle devrait pas jouer. Dans le fond, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est préparer de la bouffe pour la semaine, puis écrire un peu, puis me préparer pour le voyage aussi, peut-être commencer à faire ma valise pour pas rusher à la dernière minute. Puis c'est ça. Fait que j'ai amené cette caméra-là parce que j'ai pas compris comment charger ma Sony. Fait que je vais faire ça tantôt. Mais je vais pas mettre le micro là, parce que c'est trop grosse patente. Fait que je vous amène avec moi à Ziz, n'est-ce pas? Allons manger. C'est ça le bruit qu'on entendait, c'est toi qui faisais frouche de frouche sur le plastique, petite coquine. Merci PL pour l'assist sur la chaîne de café. Ça m'a fait plaisir. Je suis avec PL et Alex, puis on branche chez Dame Tartule, qui vous offre ce mois-ci le mimosa à la canneberge, puis j'approuve vraiment pas. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour monsieur, vous allez bien? Alimenté à même le geyser de Saint-Hilaire. La faille volcanique. C'est... Quoi? C'est hey! Quoi, j'ai fait mes devoirs avant de m'en venir sur la rive sud. Qu'on arrive aux pommes! C'est moins sélectif que chez Rachel Baudry. Ah, c'est le fun, il y a déjà des pommes de cueillies, tu sais, ah, pour Dieu, les paresseuses. Tout le monde. Mais oui, il y a beaucoup de monde. On est ici. Finalement, j'aille ça à l'eau pomme. Je viens de me souvenir pourquoi je parle aux pommes depuis comme 1000 ans. Fait que je suis dans un verger, je suis avec PL puis Alex. On va aller ramasser des pommes, voir les animaux, profiter un peu des beaux jours qui restent à l'automne. Il fait un petit peu frais, c'est couvert. Puis c'est vraiment beau aussi, ça commence à rougir, les arbres jaunes, rouges. Super beau le Québec à l'automne, on aime ça. Il y a des petites familles partout. Fait que c'est ça, je l'amène avec moi voir les animaux. Puis les pommes. Oh my god, il y a tellement de monde! Toi, t'en as déjà eu! Je te fais! Ok, tiens. Tiens, tiens! Bon! Allez! Oh. Fait que là, le lama refuse de faire une collab avec PL. Il pensait que je donnais de la bouffe, mais je suis vraiment pas. Oh, des bunnies! Hello. Ils sont tous collés ensemble. Oh non. Sauf lui. Comme... Ça, c'est genre moi dans un groupe. Je suis le long. Gardez la pause. Gardez la pause, oui. On s'est assis dans l'espèce de petit trailer camionnesque. C'est des petites bottes de foin. On est comme dans des cages de pommes, finalement, des casseaux de pommes en bois. Puis on a acheté un sac pour mettre les pommes dedans. Puis ça a l'air qu'il y a un labyrinthe aussi. Va-t-on s'aventurer? Regarde, il y a des travaux, même dans le verger. Des cornes oranges, même aux pommes. Ah, hey, je sais pas comment je vais faire pour me retrouver là-dedans. Est-ce que vous nous voyez? Alors, on va vous démontrer quelque chose de vraiment satisfaisant aux pommes. Vous prenez des pommes pourries ou qui sont tombées. Vous marchez dessus. Hein? Non. Dans quel, on sait-tu dans quel... Ah, là, on est... Non, elle est trop belle. Quelqu'un va la prendre. Yes! Crunch!
Regardez comment c'est beau, les pommiers. Ils sont chargés de fruits, là. Ça n'a aucun sens. Wow! Des fois, ça fait comme une petite maison secrète. Regardez ici. Tu sais, tu rajoutes un petit matelas, là, puis des oreillers. Coin sieste dans les pommes. On est dans les rouges délicieuses, ici. Ouh! C'est mauvais de faire ça. Ah non! Je m'excuse, l'arbre. Il te pardonne. Ah, oh, je l'ai fait deux fois. Ah! Oh, c'est cute, celle-là! Oh. On dirait un emoji. Faut pas que je touche, là. Ok, défi pomme. Trognon. Défi trognon. Ah. Manger la pomme à même l'arbre. Ah. Merde, mais j'ai quand même un défi ici, là. Hey, c'est quand même bon. Allez, Alex. C'est comme sexuel, mais tu... Yeah! Et on a un trognon dans l'arbre. Yeah. Ce qui cause mystère et questions dans les familles. Bon, on va l'enlever, puis on va le mettre dans le fumier. Oh, wow, alors, ce qu'on sent ici, c'est un vrai respect du produit. Ah! Alors, récolte. Yeah! Les petits plaisirs de l'automne. Les petits plaisirs tout simples. Si vous voulez pas aller cueillir, vous pouvez venir quand même chercher votre panier de pommes directement au verger. Donc, toutes les saveurs. Donc, c'est ici que ça arrive, les pommes, avant de les accrocher aux arbres, hein? Oui, oui, Alex, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, t'as compris. Même chose pour les courges, ils sont ici avant de les mettre dans le champ. J'ai acheté plein de gâteries. Ça, c'est une tarte au sucre, mais ça, c'est une galette aux pommes et un chausson aux pommes. Et je vais peut-être les partager avec Kiki. Je me suis fait une petite salade rapidement, juste... En fait, c'est mon souper. C'est du feta avec des tomates, jus de citron, huile d'olive, poivre et sel. Et je suis dans le noir pour manger. J'espère que vous avez aimé ça, venir aux pommes avec nous autres. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez toutes ces choses-là. Puis on se dit à demain. Bye YouTube, c'est le fun! J'ai acheté les Pocky Crystal Salty. Crystal Salty, c'est marqué cool. C'est des biscuits cool. Ils ont toutes des maladies. Ils ont toutes des maladies. Ah oui. Idolé.